Nous allons posséder du mot. Nous avons dans tous les domaines de la vie, nous sommes en train de réfléchir. L'homme a un problème, il a faim. Il veut manger. C'est son problème. Nous allons commencer à nous investir. Investir. J'ai commencé à étudier la vie de certaines personnes au Brésil. Comment ils ont gagné le Brésil dans l'évangile. En Australie, on n'a plus besoin. Il faut changer les stratégies. Vos histoires, prenez le micro, venez vous transpirer le soleil au tuyau. Après, c'est pas avoir parlé, et vous allez parler, c'est sorcier qui vous attaque. C'est pour ça. Il faut changer de stratégie. Ah oui, la vie, ils ont crié. Les gens n'ont plus besoin de ça. Ils veulent voir Dieu à l'œuvre. Du concret. Du concret. Tu transmis du camp, après tu sens de la camarade. Qui ne sait pas que Jésus est mort et ressuscité? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas qu'il est né à Nazareth? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que c'est lui le chemin, la vie? Qui ne sait pas? L'église va s'asseoir à réfléchir. Satan tourne le cœur du terrain. Et je connais, vous voyez, eux, ils ne dorment pas. Hein? C'est nous qui dormons. Nous, on aime toujours les maîtres. J'ai toujours dit à mes enfants, j'ai dit, si on vous confie une responsabilité, on te dit, fais telle chose. Il faut te dire, tu vas faire, pas demain. Et c'est ça le problème des Africains. Nous aimons toujours demain. On se dit, non, pas maintenant. Non, non, non. Dès qu'on te confie quelque chose, il faut être en mesure de faire ça maintenant. Parce que la vérité, celui qui remet demain pour malheur chemin. Nous allons changer la mentalité des Africains. Amen. Les Blancs, ils ne jouent pas le temps. Nous jouons le temps. Celui qui joue le temps, il sera pauvre. Comme la pauvreté avant les démons. Vous jouez le temps. Vous savez que le temps, c'est l'argent. Et ça, c'est l'argent. Et donc, quand Dieu te donne le temps, tu vas jouer ça. Moi, je suis allé monter des affaires. Vous me regardez, moi, je n'ai pas affaire. Vos petits agents, j'ai des affaires. Amen. Amen. Dieu est un homme d'affaires. Amen. Regardez les Juifs. Ceux qui tiennent les grosses affaires sont les Juifs. Yes. La main dans les hommes du ciel, qui va dire ah, si tu veux avoir ton assiette, viens mettre à l'eau aujourd'hui dedans. Avoir ton assiette, viens mettre ta qualité sans grain. Plou, hein, plou, sans grain. Plou, viens t'en manger. Non, il faut travailler. Alléluia. Amen. Non, il y a plein de choses qu'ils ont fait. Amen. Plein de choses. Plein de choses. Plein de choses qu'ils ont essayé de réaliser. Voilà, vous allez réaliser plein de choses. Je demande en même temps ceux qui sont un peu en Europe, ceux qui veulent s'investir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir. Ce monsieur, il a beaucoup de terrain. C'est le président des propriétaires de terrain de Côte d'Ivoire. Voilà, propriétaire de terrain de Côte d'Ivoire, d'ailleurs, il a plein de choses ici. Il faudrait que l'église soit en mesure de s'imposer. Mes parents musulmans, c'est parce qu'ils ont l'argent. Le jour des tabassus, vous allez voir, il n'y a pas de voiture. Amen. Quand on va posséder tout ce qui est restaurant, niveau, quand on va posséder tout ce qui est boutique de vêtements, quand on va posséder tout ce qui est qu'on appelle transport, il va venir nous écouter. Amen. On dit, mais on a remarqué que vous faites le mot chercher de pratique, nos voitures ne bougent pas, ne roulent pas. Quand on va faire ça, les gens, on dit, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne veut plus qu'il y ait telle loi. Vous ne savez pas que Dieu nous aide. Amen. Si l'église est forte ici en Côte d'Ivoire, vous allez voir tout ce qu'ils ont dit, l'État obligé d'accepter. Quand les bacs font grève, taxi quand elle fait grève, on ne les appelle pas pour les écouter. Comment les écouter? Dans 48 heures, ils vont te sauter. Parce que les gens les difficultés par l'eau, ils travaillent. Ce n'est pas question de prière. Il y a des choses qu'ils devront avoir. C'est ce qu'il dit aux gens, lorsque tu auras l'argent, la famille obligée de t'écouter. Ce n'est pas question des gens, des prêches, des évangiles, la Bible, qui a chimé ça avec 5 000. Ouais. Est-ce qu'ils mangent? Nous prions Dieu pour que nous aurons l'argent. Moi, je suis avec ceux qui veulent faire des affaires. Amen. Je peux vous encourager à faire des affaires. Amen. Amen. Quelqu'un qui est venu d'Abidjan, il est venu faire appel d'or. Il est juste des affaires. Appel d'or.
prends que les gens ne pas élevé. Je suis dedans. Ah, vous en faites, je suis dedans. Je suis en prière, je n'ai pas mort. Quand le papa qui a dit, tu t'as dit, laisse-moi te ramener dans la main. Lui et moi, on s'associe devant l'homme. Combien? Il avait le riz. On a chambre. On a fait société. Vous nous regardez là. On fait la business en bas. Vous y allez, on fait. Quand on va, on discute les gens, on va. Dormez. Donc, si vous avez de vous blaguer, les gens, dormez. Le pouvoir. Le ciel, c'est ça. Quand il parle à sorcier, il tombe. Le pouvoir de la terre, c'est l'argent, il doit avoir ça. Entre les deux, la personne ne peut t'arrêter. Amen. Personne. C'est qui tu as envie de manger, tu. C'est-à-dire, vous voyez pourquoi vos enfants sont sortis? Mais ils ont fait. Il fait mort subite. Dis-moi, il y a un repas la nuit. Il n'est pas rassasié. Il n'est pas bien. C'est un champion du merci, il est là. C'est champion. Combien de cas de palmier? On monte chicot. Aromatisé. Dieu nous dit. Il dit qu'il ne faut pas les manger. Comment? La peur, tous les soirs avant de manger, c'est un destin. Hein? Il dit les mains pour ton appétit, puis dort dedans. Puis il monte là-bas, là, c'est festin. Blanc, ils ont réglé le problème de faim. Blanc dans sa chambre, l'enfant a un frigo, il y a yaourt, il y a biscuit, depuis la chambre, le salon, tout. L'enfant pour aller à l'école, c'est banane, brésil, rouge, petit déjeuner. Va à l'école! Quand il est papa, l'argent donne l'argent. Quand mon papa me mettait à l'école, il m'a donné l'argent. Allez! Elle n'a pas pensé qu'il puisse se sentir bien pour dire, viens pratiquer. Il va pratiquer. Viens pratiquer. Il va trouver que c'est très bon de pratiquer la chose. Va demander à un ministre, un abattu, un blanc. Il mange déjà, il est rassasié. C'est quelqu'un qui a fait, vas-y, il est là. On dit un homme qui a fait n'est pas un homme. Il n'est pas lui. C'est après la fin, on attrape les petits filles, on les attrape. Dans la rue. C'est si nous avons banni dans la vie des petits bons, nous avons banni ça. En prévoyant les affaires, vous bannez beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On dit amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je vous annonçais la date du 22. Le 22, nous avons une journée. De lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Et en même temps, vous devez tous être là, tout le monde, même ceux de la diaspora. Ceux de la diaspora doivent venir. Patrick, si tu as un bout de temps, fais approcher en Côte d'Ivoire, c'est un frère camerounais. Tous ceux qui veulent participer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir, nous allons vous loger ici à Divo. Amen. Amen. Nous allons parler de beaucoup de choses, échanger beaucoup de choses. Et à partir du 23, le 23, nous dans le programme en même temps parce que demain sera décembre. Le 23, 24 et 25, notre ministère, c'est ma fondation, organise Arbre de Noël dans les villages. Et cette fois-ci, c'est à Bro. Nous allons organiser à Bro. Où je l'ai trouvé là? Je ne sais pas si c'est bon, hein. Nous organisons à Bro Arbre de Noël. Nos enfants ne fêtent pas. Moi, cette année, l'année dernière, j'ai fait au village. Je suis resté à Zaroko jusqu'à le premier, tout ça. Pendant qu'on m'appelait à Abidjan, j'étais en train de voir comment les gens fêtent au village. Mais c'est une misère. J'ai dit aux gens, vous faites à ça, parce qu'on va manger tous les. Mais moi, ils mangent du poulet. C'est quoi la même fête? Donc, vous voyez, fête. Moi, chaque jour, je fais. Manger, là, je mange. Il n'y a pas de problème, ça. Amen. Amen. Il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Donc cette année, nous avons décidé d'organiser une compétition de football. Et ça, c'est le trophée.
prophète. Voilà le prophète. Parce que notre vision, c'est d'amener les gens à aimer leur village, d'aimer leur village. Un travail en train de se faire dans la région d'Ibo, de la sous-préfecture de Niri. Alors, les gens ont fait la sorcellerie. L'année dernière, nous avons organisé une compétition de football. Permis aux gens de venir parce que pendant les congés scolaires, les décembre, les gens vont se retrouver à Abidjan. Ils ne sont pas à Abidjan. Et cette fois-ci, ça sera à Grosse. Voilà, ça c'est le premier, le deuxième. Et il y aura aussi les jeux de maillots et tout ça. Donc, il y aura un sapin géant, un grand sapin géant. Merci à José. Il y a une jeune soeur qui a déjà fait les 500 jouets. Elle m'a appelé, elle a déjà fait 500 jouets. J'en profite en même temps pour ceux de la diaspora qui se fait déjà très tard d'acheminer des jouets dans une voiture ou quelque part. Vous pouvez nous envoyer de l'argent pour que nous puissions les acheter ici. Voilà, ils s'achètent ici. Parce que les gens se posent la question, tout ça, ils veulent envoyer ça chez Elisabeth. Ou bien vous voyez carrément Elisabeth Dobé depuis la France. Vous envoyez votre argent là-bas pour que nous puissions acheter tout qu'on fait. Il y aura un compte rendu. Voilà, parce que nous communiquons beaucoup là-dessus. Il y aura un compte rendu. En même temps, il y aura un grand concert mercredi pour le 23, 24 et 27. Pourquoi? Parce que Jésus, là, c'est la vie. On ne peut pas être quelque part où on est triste. En gros, Jésus a vécu la mort. Et la Bible dit d'être toujours joyeux. Vous savez que le stress encore déclenche beaucoup de maladies dans le corps des gens. Les gens sont stressés au village. Un, parce qu'ils ont peur des sorciers. De deux, il n'y a pas de moyens. Vous comprenez? Il faut aller vers eux. Amen. Amen. Notre ministère, c'est d'attaquer les villages, les gagner au maximum à Jésus. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. 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 Oui. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. 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 Alléluia. L'année prochaine, nous allons envoyer un fonds ici. Un fonds qui sera dirigé par des personnes. Et puis, on va installer les gens. On va les installer. Vous voyez, on sait que tu as envie de faire bonne chose. Hein. Tu n'es pas venu prendre aller manger biscuits ou un toffee. Tu veux faire quoi? Et puis on suit le projet. On investit. L'église doit apporter. L'église doit donner. Il y a des gens qui ont des grands moyens et qui les vivent. C'est-à-dire, quand tu vas à leur église, les gens sont pauvres. Ils sont mis dans les poches, dans les grosses voitures. Mais vous devez aider les gens. Vous devez aider les gens. Les gens que j'ai aidés pour fonds de commerce, on ne peut pas compter. Il y en a plus d'une centaine que j'ai aidés. Amen. Amen. Parce que Jésus ne faisait pas que seulement prêcher la parole, il nourrissait aussi les gens. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est béni. Amen. Tu vois, je vois un excrément humain sur toi. Dégage un déchet. Excrément humain. C'est ça la différence. Ça prend de ça. Non. On va le nettoyer. Amen. Amen. Je n'ai pas envie de dire merci à ta mère. Dis non. Voilà. Non. Excusez-moi de déclencher ça. Voilà. Ta maman est bien. C'est comme toi, il y a trois personnes qui sont assises sur ta vie. Et ton âme est dans une tombe. Il sera difficile de bouger. Jésus va te guérir. Amen. Quelqu'un qui est prêt, c'est lui, son étoile, il veut tout faire sa foi. Il faut aller cacher ça dans ton. Jésus va te guérir. Peut-être que même vous commencez un jeûne, vous commencez lundi jusqu'au dimanche, c'est votre semaine. C'est votre semaine de délivrance. Soyez là vendredi. Moi-même, je consacre une bouteille de versets à ce vous. Amen. Ça va vous nettoyer et vous allez héberger. La même chose, il faut aussi la même chose. Amen. Je vais prêcher la parole de Dieu. Amen. Nous allons vous toucher la parole de Dieu. Tu as quelqu'un, tu es béni. Tu as quelqu'un, tu es béni. Tu as quelqu'un, tu es béni. Amen. Nous sommes un culte. Nous sommes un culte. C'est un culte, ça veut dire, c'est pas un programme cascade de délivrance
Mais s'il y en a qui me provoquent, j'ai chassé ça. Amen. Alléluia. Donc on a plus besoin d'écouter la parole de Dieu. On dit amen. Voilà, on a besoin d'écouter la parole de Dieu. Le terre, c'est le sifar vers la grandeur. Vous savez, la nuit du vendredi, nous avons détruit le pouvoir des ténèbres, c'est pas ça? C'est qui maintenant, c'est ce dans lequel nous devons rentrer, c'est la grandeur. Parce que la Bible dit, Dieu dit à Israël, je ferai de toi la tête et non la queue. Amen. Pour entrer dans la grandeur, il y a des choses à faire. C'est vrai qu'on a délivré, on a brisé le pouvoir des ténèbres. Il y a des choses que tu vas connaître qui t'emmèneront à des grandes choses. Les six pas vers la grandeur. Amen. On dit amen. Allez, on dit amen. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois derrière. Non, pour que tu sois grand. Vous savez, tous ceux que Dieu a choisi, c'est les grands. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Il fait des grands. C'est fabriqué des grands. Alors Dieu t'a choisi, pas pour que tu sois petit. Vous savez, tu ne sois pas la queue. Non, Dieu dit, ne sois même pas la queue. Je ne veux même pas que tu sois la queue. Que tu sois toujours la tête. Oui. J'ai dit aujourd'hui, rêver. Ça dit, c'est permis. Là où c'est permis, c'est dans le Seigneur. Là où le rêve est permis, c'est dans le Seigneur. Moi, quand je descends de mon lit, j'ai dit, grâce au deuxième milliardaire. Amen. Ça vous fait rire. Si tu n'as pas l'argent, tu vas pas là qui va t'écouter. Hein? Tu vas parler à qui va t'écouter? Gloire et l'argent pas de mon père. Je dis, je voulais être grand. Sinon, mon existence ici sur la terre n'a plus son sens. Je ne suis pas né pour suivre des gens. Dieu m'a créé pour être grand. Amen. Amen. Genèse le chapitre 12, à partir du verset 1, il dit à Abraham, dis, je ferai de toi un grand et je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Quand Dieu a parlé, Genèse le chapitre 12, à partir du verset 1 à 3. On peut me dire ça rapidement. Oh, vous êtes des grands dieux, amen. Vous êtes des grands dieux, amen. Alléluia. Amen. Oh là là. Vous êtes bien habillés ce matin, Dieu bénisse. Amen. Content, vous êtes bien habillés. Amen. Ça c'est bon. C'est bien propre, on vient adorer Dieu, on est bien. C'est pas du fétichisme. Amen. Amen. Tu es là, tu sens de cacao. Amen. Genèse le chapitre 1. Genèse le chapitre 12, plutôt le verset 1. À quoi? L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de. Quand ton nom commence à être grand, tu es obligé. C'est une obligation. Tu deviens une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Il dit, je rendrai ton nom grand. Détonnons le chapitre 28, le verset 1, Détonnons 28, le verset 1. Amen. Laissez Dieu vous rendre grand ce matin. Dis amen. Oubliez un peu de sorcellerie un peu. Pas stressé, non, sorcier veut manger ma cuisse. Il est sur moi, il me dit, je me dis. Il a déjà mangé mes oreilles. Mais c'est ça d'abord, amen. Nous allons parler de la grandeur ce matin. Amen. Nous allons parler de la grandeur ce matin. Dis amen. Nous allons parler de la grandeur. Alléluia. Détonnons le chapitre 1, 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Sur toutes les nations de la terre, c'est toi. Supérieur à tout, c'est toi à la tête de tout.
Alléluia. Amen. Pour être grand, le premier élément que vous notez très bien, c'est le témoignage. Le témoignage. Je l'ai déjà enseigné un peu à Zara, que je réponds encore ici. Amen. Le témoignage, ça veut dire quoi? Dieu dit à Abraham, dans le chapitre 12, le verset 1 à 3, il dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Dieu tiendra compte de ton nom. Tu es symbole de témoignage. Tu vas avoir beau avoir des diplômes. Si tu ne mènes pas une bonne vie, si tu n'as pas un bon témoignage, il sera difficile d'avancer. Ça ne peut pas jouer ton témoignage. Là où tu es, si on t'a confié une responsabilité, ne joue pas avec ça. Amen. Il y a des gens qu'on leur confie quelque chose, jouer ça, ils mangent l'argent des gens. Malgré son diplôme, il y a des grands diplômes. Mais il joue le travail. Il s'essaie d'abord. Il joue le travail. Ce témoignage-là, ça va te rattraper un jour. Vous êtes dans le quartier, tous les hommes, c'est vous. Vous couchez avec tout le monde. Vous n'avez pas de bons témoignages dans le quartier. Pour ce qui vient, il est évident. Draman vient, il est évident. Puis, on est, c'est ton nom. Tu vois, mon premier bal, le son est de jouer l'enfant, tu penses, c'est toi. C'est moi ta père, on dit non. Ah, il a pas lu, c'est pas toi, va. Sorcière. Les gens prennent compte de ton témoignage. Ah, la fille, elle est bien. Et elle a fini avec Jean-Guyen dans le quartier. Quand tu as venu mettre Jean-Guyen dans ta maison, c'est pas le quartier qui va servir. Le témoignage. Ne jouez pas le témoignage. Ce n'est pas n'importe qui va venir vous toucher. Amen. Je m'excuse. Amen. Le monsieur a cherché, il dit, ah, qui veut pas bonne femme? Qui? Qui? Il t'embrasse. Il t'embrasse. Témoignage. Je ne sais pas ça. Je gâte. Non, encore une fois, je ne peux pas gâter ton nom. Non, non, c'est notre expression. Je ne peux pas gâter ton nom. Mais si c'est gâté, ça va te pousser partout. Ah, il a... C'est là. Mon cher, il faut la laisser. Témoignage. Tu as bien gâté ton nom. Il a lu la prière. Il faut l'essayer. Il a lu là. Tu ne connais pas quelqu'un pour donner. Tu veux gâter ton argent. C'est lui là. Mais il connaît la Bible, il connaît, mais lui, il faut essayer de voir. Il va gâter ton argent. Le témoignage. Je parle de ça. Son frère. Tiens. Pour prendre à l'occasion, tiens, prouve aux gens, à cette personne, que tu mérites sa confiance. Fais de telle sorte que la personne ne soit pas déçue de toi. C'est elle-même qui rendra un jour ton témoignage. Et là, je vois, il dit, tu n'as pas besoin de dire qu'il est bon. Laisse-moi même te couvrir pour un toi. Et là, il dit, non, moi-même, là. Il dit, hey, faut déjà faire de moi-même. Là. Je ne dis pas lui qu'il parle mal de lui. Oh, moi-même, je dis, tu es bon. Arrêtez ça. Amen. Quand tu confies l'argent, ne garde pas ton nom. C'est les gens qui ont eu l'argent sont possédés, les démons viennent. Puis garde l'argent. Ils n'ont pas peur de garder l'argent des gens. Ils sont les tiens. Il y a un méchant qui dit par ici, pas de l'argent, tu gardes l'argent. Pardon. Pardon. Oh. Moi, j'aime avoir autorité, le pouvoir. Un individu a venu parler chez moi. Pardon. Demandez-lui pardon et vous faites son argent. C'est pour toi. Et bien, il t'a fait confiance. De donner l'argent. C'est pas pour toi. Faut pas confondre ton argent et mon argent. Mais elle confond tout. C'est ça que vous avez perdu les grâces, vous perdez les bénédictions. Parce que c'est ça la vie. Il faut savoir ce que tu veux sur cette terre. Et les gens sont très inconscients. Et puis, mais ça, c'est sorcellerie. Vous donc quelque chose, jouez ça. Vous savez pas qu'une petite chose peut déclencher une grande bénédiction dans ta vie. Vous jouez ça. Mais les gens aujourd'hui, là, tu vois, il va beau parler. Il y a des gens qui m'ont fait des choses.
Je lui dis, tu as, même si Dieu vient, je ne vais plus avoir ta confiance. La confiance est quelque chose qui peut me prévenir. Ne jouez pas ça. Quelle personne vous fait confiance? Ne croyez pas cette personne. Et c'est pas qu'est-ce que vous allez envoyer encore pour amener la confiance. Le témoignage. Quand tu confies quelque chose, il ne faut pas jouer avec ça. C'est à partir du témoignage qui met la grandeur. Amen. Le témoignage. Ne jouez pas avec ça. Quelqu'un veut, tu vas vouloir te marier, va chercher à savoir qui tu es. Voilà. Ah, faut avoir l'information. Lui là, c'est qui, où il est qui, tu n'as pas cherché. On ne dit pas de mariage, c'est pas de faire de copinage. Maintenant, il t'occupe de toi-même. Va chercher à savoir quoi ton témoignage. Vous savez qu'aux États-Unis, pour être président de la République des Américains, ils vont fouiller dans ta vie. Tous tes petits secrets. Va jouer ton témoignage. Tu es quelque part, il ne faut pas gâter, non. Tu es dans une maison, ne gâte pas, non. Il faut laisser ton bon nom là-bas. Va venir mettre les gens par là, dans la maison. Il ne faut pas les gâter, non, là où tu es. Il faut jouer ça. Dis-toi que là où tu t'en vas, ta bénédiction dépend de toi. Si tu es bien, ça peut déclencher bénédiction. Si tu es mauvais, ça peut déclencher malédiction. Si tu as ça dans la tête, il va bien le comporter. Vous passez chez les gens, vous passez chez quoi? Dieu te prendra compte de ton témoignage, tu t'es béni. Il ne bénit pas comme ça les gens. Ton témoignage. Non, c'est les démons. Toi, tu n'as pas une conscience. Le démon a béni, c'est lui, c'est démon. Il y a quelqu'un qui a beaucoup mon argent. Il dit, pardon, c'est les démons. Il dit, c'est démon. C'est dans tous les démons. T'es venu même manger. Ta prophétie, c'est démon, il dit c'est démon. Il faut arrêter ta comédie là. Laisse un peu de spiritualité dans ça. Tu as bouffé mon argent. C'est quel démon? Quand le démon ne tentait pas, il aura appelé, viens faire ta divorce. Ah, mais c'est comment il fait des divorces? Qui fait des divorces? Pas moi. Non, démon. Pourquoi tu m'as appelé? Il y a un chasseur de démon qui t'emmène. Il ne faut pas arrêter de la sorcellerie. C'est que Dieu nous fait. Amen. Oui, il y a quand même conscience, frère. Vous dites, mais si je fais, ça tape mon nom. C'est ça. Si tu n'as pas ça en toi, c'est que toi-même, tu as un problème. Tu ne vas jamais aller loin. Parce que pour aller loin, il faut penser à demain. On est là, ça ne nous dit rien. Voilà, ça fait quoi? Hein? Ne marchez jamais avec les personnes inconstantes. Dieu marche avec les personnes qui sont conscientes. Dieu, c'est la conscience. Amen. Amen. Regardez, je vous dis quelque chose. Vous connaissez les fous? Celui qui ne connaît pas, je vais l'amener sur la rue, voir ce qu'on appelle. Vous connaissez les fous? Qui connaît? Oh, tout le monde. Tu viens, tu ne connais pas vous. Amen. Vous les voyez souvent, nous les voyons souvent dans la rue, c'est pas ça? Très bien, nous les voyons souvent dans la rue. Rarement vous allez apprendre que voiture a poigné un fou. Hein? Avant de traverser, il réfléchit, il regarde. Regarde. Hein? Il voit l'esprit de mort dans la voiture. Oh, qui est fou? Il est fou, non, mais il a une conscience. Il n'a qu'à aller marcher comme ça. C'est qu'une voiture le montrer. Quand tu lui s'en fous, tu es fou, il s'en fout de ça. Il n'a qu'à aller marcher comme ça. C'est qui ça le montrer. Quand il pleut, il ne se cache pas pour s'abriter. Qui est ça? Ils sont plus sages que nous. Ils se cachent. Ils se mènent. Il est sage, mais il se cache. Il dit, mais toi, mais ta prison est de la vie, mets-toi sur la prison. Mais cache. Ils ont quand même une conscience. Malgré leur possession. Arrêtez ou non, c'est des démons. Tu manges mon argent, tu dis, c'est démon. Mon argent. C'est pas l'argent de tout le monde, mange. Hein. Je vous dis la vérité. Le sorcier des aéroports, il dit, le gars, vous voulez mon argent.
Je vais pas payer, je vais le manger, grigra, sauce, tomate. Ne gâtez pas vos noms, amen. Ne gâtez pas vos noms. Ouais, ne gâtez pas vos noms. Le nom, pour parler là. Ah, lui là, il va quand même dire, mais tu vas les dire. Lui là, ouh, mais il est bon. Faut pas l'encourager. Ouh. Tout contraire, tu vas jamais empêcher les gens de mal parler de toi. Ils parleront mal. Mais ne connais pas ce qu'il dit là. Compte de course en toi. Et tu vois, celui qui n'a pas d'ennemi, c'est qu'il n'existe pas sur cette terre. C'est-à-dire, Dieu est l'ennemi. Dieu même là, il est l'ennemi. Moi, j'aime qu'on parle même mal de moi, ça m'arrange. Ça me permet de me corriger. On ne va pas mal de toi, tu ne vas pas avancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne connais pas ce que les gens disent de toi. Qu'on retrouve ça mentalement. Ah, ils ont parlé, mais j'ai tout coupé. Mais tout le monde est bon, hein. Puis, mais ils font ton parade. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Toi, tu es témoin, hein. Ben, c'est qu'il a dit la même chose. Oui, c'est vrai. Je faisais, je ne croyais pas, mais finalement, j'ai fini par comprendre. Mais c'est vrai. Le témoignage. Ne jouez pas ça. Amen. Amen. Ne jouez pas ça. Ne jouez pas votre témoignage. Tu n'es quelque part, ne jouez pas votre témoignage. Ne jouez pas avec le témoignage. Dieu t'en donne comme le témoignage. Parce que Dieu va te prendre un fautif pour le mettre à la tête. Sinon, ça garde lui-même son nom. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Dans vos yeux qui prient, arrêtez de prier les lampadaires. On va crever les lampes. Casser les ampoules, rester, garder le témoignage. Amen. Amen. Le témoignage. La deuxième chose, c'est entretenir les relations. Ouh là là, ça c'est quelque chose. Amen. Ça va entretenir les relations. Vous voyez, quand Dieu crée une relation, c'est source de bénédiction. Si Dieu veut te bénir, il va créer une connexion. Il va créer une connexion. Des gens qui maîtrisent la chose. Va t'envoyer cette personne-là pour t'amener une bénédiction. Tu ne vas pas descendre dans le ciel. Tu vas t'envoyer des gens. Créer une connexion. Amen. Quand Dieu voulait bénir Saül, Saül a dit, c'est vrai, tu viens d'être loin comme roi. Et ta mère dit, tu viens d'être loin comme roi. Mais dès que tu me quittes, un jour tu vas rencontrer des personnes près de lui, de Sépul, de Rachel, qui t'indiqueront le chemin. Parce que Dieu va envoyer des gens pour t'indiquer le chemin. C'est des personnes. Mais il faut savoir garder des relations. Il y a des gens qui ne savent pas garder ça. Quand il y a des relations, ils brûlent ça. Gâte. Mais ça ne leur dit rien.